la pelouse. N'aie pas peur, chérie. Viens. Il y a peut-être des aiguilles. Des mines. V, tu connais l'histoire des corpos de Zetatec qui rentrent dans un garage? La blague, c'est qu'aucun n'en est ressorti. Apparemment, ce garage est une entreprise familiale qui traverse une période difficile. Je pense que les proprios ont fini par craquer. Et tu sais que je me trompe rarement. Don't make trouble. Be trouble. Where there's smoke, there's Vargas. Ont essayé de faire du business dans mon quartier. Alors les dinos leur ont donné une leçon. Ils s'y sont pas allés de main morte. Du coup, les nomades sont venus me voir. Mieux vaut tard que jamais. Tu veux bien?
bien les aider à régler leur compte. Détail un peu chi. Aujourd'hui ou pas? Je pense, ouais. Ok. Faut aller voir. Dans ce cas, on ira tirer une autre caisse ce soir, toi et moi. Ça. Allez!
Salut, c'est moi. Pourquoi il vous faut ce camion? J'adore ce style corpo. Attends, t'es sérieux? Qui c'est qui garde la frontière? Bah, c'est Militech. Eh ben voilà, je te laisse réfléchir. Qu'est-ce qui t'a pris, putain? Un solo qui fait un échange avec les Valentinos? J'étais pas tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Ce qui s'est passé, c'est que ces bâtards nous ont tendu un piège. C'est ça qui s'est passé. Enculé de Valentinos. Et ça te surprend? Oh, peu importe, je me casse. Putain, je m'en souviendrai de ce voyage. Du très beau travail, fait. Je savais que je pouvais compter sur toi. Les nomades te sont reconnaissants pour ton aide. Contrat clôturé. Quelque chose? Padre, j'ai besoin des conseils d'un vieil ami. C'est le problème avec les vieux amis. Ils peuvent pas dire non. Dexter de Shawn. Tu peux me dire quoi sur lui? À part ce que tout le monde sait déjà. Je peux te dire que Dex foutra jamais les pieds au paradis. Sauf s'il se doit à Saint-Pierre. Et Wood, t'es un quartier violent, non? Ça doit être dur de garder tout le monde à l'œil. Pas vraiment. Il suffit de gagner assez de respect pour ne pas se faire dévorer par les loups. C'est ton territoire. Tu dois avoir un moyen de pression. La plupart des loups ont peur de moi. C'est tout. Je peux te poser une question personnelle? Bien sûr. Mais peut-être que je répondrai pas. Pourquoi t'es devenu prêtre? J'ai foi en la grâce de Dieu. Ça a pas toujours été le cas. Mais ça finit par changer. Je crois en Dieu, fait. Et j'espère que quand je mourrai, il croira en moi. A trop le seum de voir les voisins partir. Elle aime bien leurs gamins.
La vie a pas de sens de toute manière. J'ai un client qui veut mettre la main sur un certain éclat. Le problème, c'est que cet éclat est dans le crâne d'un coursier qui attend sur une table dans un crématorium. Je te joins les détails. ¡Qué mierda!
Foutez-moi la paix. Sors de ton trou avant que je meure. Ok, c'est bon. Merci, mon frère. Ta place. C'est un ange descendu du ciel, fait. Le client va bientôt recevoir son éclat possédé par un démon. Et toi, tu vas bientôt recevoir ton argent. Je ferme le contrat.
Appel à tous les sous-traitants du NCPD. Plusieurs rapports signalent la possibilité d'une activité de crime organisée sur Martin Luther King Boulevard. Des membres du gang des Valentinos seraient impliqués dans des opérations de trafic et de contrebande. Le groupe est dirigé par Miguel Rodriguez, dit Gizmo, déjà condamné entre autres pour homicide et trafic de stupéfiants. La ville offre une récompense à qui neutralisera la menace. Pourquoi faut toujours que ça tombe sur moi, hein? Thank you.
si vives como delincuente, te vas a la chingada como uno. ¡Concéntrense en el pinche objetivo, carajo! C'est un psycho! Bonjour, V. Il y a un homme qui doit faire face à la justice. C'est une affaire personnelle. Je te paierai en bonus. Plus d'infos jointes. Je compte sur toi, V. Se trata de la sangre. Satisfacen sus instintos.
pastillas, pero ya, ya, ya. Tu peux fuir, mais pas te cacher. Où est-ce que t'es allé te planquer? Tu peux fuir, mais pas te cacher. Pourquoi mon nom est l'Éternel? Quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Ainsi, Karu Bobairei connut la vengeance de l'Éternel par l'étanchement de son humble serviteur. Excellent travail fait. Le contrat est bouclé. Fais, j'ai besoin que tu voles un certain document. C'est urgent. Plus d'enfants au PJ.
les voir. Martha Frakes et Gustavo Horta, les Roméo et Juliette de Vista del Rey. Tu connais Roméo et Juliette, je suppose. Eh bien là, c'est un peu pareil. Martha est à l'hôpital dans le coma et son père veut faire payer Gustavo. C'est là que tu entres en scène, fais. Fais ça rapidement. Détail au PJ. Super, vraiment super. Une putain d'œuf de charité, Joe. Arrête de paniquer et passe à l'action. Coupez le tendon d'Achille. C'est gros derrière la cheville. L'embrasse d'abruti a payé ses dettes en temps et en heure. Et s'il pêche toujours pas, au moins, il pourra pas courir. Frakes et Gustavo Horta, les Roméo et Juliette de Vista del Rey. Tu connais Roméo et Juliette, je suppose. Eh bien là, c'est un peu pareil. Martha est à l'hôpital dans le coma et son père veut faire payer Gustavo. C'est là que tu entres en scène, fais. Fais ça rapidement. Détail au PJ. ¡Tienes caca en la cabeza! Parce qu'on n'est pas une putain d'œuvre de charité, Joe. Arrête de paniquer et passe à l'action. Coupez le tendon d'Achille.
C'est le croc derrière la cheville. Apprendre à s'abruti à payer ses dettes en temps et en heure. Et s'il pêche toujours pas, au moins, il pourra pas courir. Un autre pêcheur se retrouve à sa place, dans un coffre. Gustavo subit maintenant les purgatoires qu'il mérite. Ça lui laissera peut-être le temps de faire son examen de conscience. Espérons qu'il la trouvera avant que le coffre ne se rouvre. Notre contrat est terminé. J'en ai déjà chassé un paquet. J'adore leur arracher la queue avec les dents.
Que Zeddy pour un vétéran. Tiens, c'est cadeau. J'ai un tas de trucs à faire. Écoute, t'as qu'à reprendre ton matos et forcer quelqu'un d'autre. J'en ai déjà 5. Vous ne me convaincrez pas d'en acheter un 6e. Monsieur.
tous les sous-traitants du NCPD. Mandat émis pour suspicion d'activité criminelle organisée sur Skyline South. La cible principale est Denzel Cryer, dit le cerveau. Il dirige un sous-groupe du gang des Animals et est un trafiquant notoire du supplément illégal communément appelé jus. La ville offre une récompense à qui neutralisera Cryer et son entourage. Satisfait de votre vie? Laissez-moi deviner, les chips de soja rance, l'eau croupie d'un robinet souillé, un autre meurtre sous la fenêtre de votre chambre? Imaginez que vous puissiez définitivement tirer un trait sur tout ça. Montre-toi, petite merde! À moins que t'aies peur! On a quelqu'un à terre! Êtes-vous vraiment satisfait de votre vie? Laissez-moi deviner, les chips de soja rance,
Voilà. Un client satisfait, j'espère. Hey, reviens ici.